Je pense une petite ville là, ce serait absolument parfait. Une petite Peut-être villa. ici. Comme ça, je peux me mettre un port si besoin. Là, il y a un autre espace qui pourrait être cool. Je pourrais mettre une villa. Ici, pourquoi pas? Ça vaut pas le coup de mettre Petra là. Par contre, là, Sur je ne sais pas Murphy. du tout ce que va découvrir mon éclair. Donc, ce qu'on va faire à Rome, c'est que... Hop. Donc, toi, tu as déjà créé un colon, là? Je sais pas. Qui c'est? Oh, allez! Qui c'est? On ne dit J'ai jamais, hein. trouvé... Tiens, j'ai découvert le Congo, moi. Ah bah, je vais pas mettre une ville là pour Petra, du coup, vu qu'il y a le Congo juste à côté. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, ok, ça c'est bien. Mvemba de Nzenga. Davando! Donc, toi, t'as découvert qui pour l'instant? T'as juste découvert l'Inde? J'ai l'Inde, je sais où il est à peu près, je pense que je vois le bord de son territoire. Ah non, c'est peut-être... Oh, l'Empire américain? Ah. Oh! Aurais-je découvert les États-Unis? Est-ce que Donald Trump est là? Je peux pas te filer dans cette série, hein. Je suis désolé, mais avec les États-Unis à côté de moi, ça va y aller. Hein. La compétence sans l'imagination, Tu c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. La C'est à compétence ça sans que l'on doit de nombreux l'imagination, objets c'est le formidables, savoir-faire. comme les paniers. Ah Ah merde, y a pas du tout de... Ah ouais, c'est fâcheux. ah. Ah, ça. Bon, bah du coup, Alors. je vais l'implanter au sud. Qu'est-ce que je vais faire? Il me faudrait ces deux-là pour faire Ah, ça. je vais le Ok, mettre on bouge là et pas. après je mettrai un aqueduc qui... Enfin, des termes qui le lient à la montagne, ce sera nickel. Ah ouais, très très bien. Est-ce que tes plans arrivent à à porter leurs fruits? Ouais, c'est pas mal. En plus, je viens juste de découvrir une troisième cité. Moi, ça va, ça pourrait aller mieux. Ça va encore. Moi, ça se passe plutôt bien. Il y a un truc qui me Par fait contre... plaisir parce que je viens de. J'ai fini quelque chose à un bon endroit, ça va me donner un bon boost pour le futur. Ah. Eh ben moi je suis content parce que tu m'auras pas volé ma première merveille. Ah. C'est laquelle? De toute façon, C'est l'oracle. L'oracle, ouais, moi je fais jamais l'oracle. Je me sens plus pour ce qu'il fait. Il fait un truc et je me disais que c'était cool. Donc je l'ai fait. Et l'autre sinon que j'hésitais à faire, c'était les jardins suspendus, mais c'est très tard pour le faire maintenant. Du coup, Ouais. c'est un peu risqué. Alors je pourrais. Qu'est-ce que je peux faire comme technologie? Ouh, ça j'ai. Ok, ça c'est bien. Ah, il y a une route là. Ouh, attends, il y a une route, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est? J'arrive jamais à reconnaître les territoires. Est-ce que normalement si je maintiens là. Ouais, Inde, c'est l'Inde ici. Ok. Congo qui veut le libre passage. Non, mais je veux bien que tu me files de l'or par tour. Ah d'accord. Donc je lui dis, je veux de l'or en plus du libre passage pour te donner le libre passage. Et il me dit, ouais, pas de souci, pour le rendre plus équitable, moi je te donne le libre passage, toi tu me donnes de l'or. Ah non, non, non. Non, non, Ça tu n'as pas marche pas compris. comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait du coup l'oracle? Mec, il construit des trucs et il oublie... Ah, y a un truc que je ne savais pas, mais qu'on m'a appris, mais apparemment, c'est surtout l'IA qui me l'a Je appris. cherche aussi à Oui. Mais si tu fondes une ville sur une ressource stratégique, tu l'exploites automatiquement? Ouais, ça dans Civ 5 c'était déjà le cas. Ouais, mais je ne savais pas si c'était le cas. Je croyais, vu qu'il y a beaucoup plus de possibilités de détruire, tu vois, des ressources dans ce jeu-là. J'avais un peu peur C'est de le vrai faire, ça. quoi. C'est vrai que pour le coup ça marche avec une ville mais pas avec un quartier typiquement. Alors, je peux m'orienter là, ou faire Oh non, ça. Tomiris qui déclare la guerre à Genève, je ne suis pas d'accord, parce que Genève, j'ai un émissaire chez eux. Ouais, mais en même Ouh, temps, c'est joli ça. Tomiris en early game, elle va me défoncer. La partie vous attend, ouais, mais moi j'ai découvert quelque chose de très très sexy. Ah. Non, non, mais t'en occupe pas, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est dommage, ce serait parfait pour une ville ici, mais vu qu'il n'y a ni eau, enfin il n'y a pas du tout d'eau, c'est compliqué quand même. Ouais. L'Allemagne a déclaré la guerre à l'Inde. Ah, j'ai découvert l'Allemagne, tiens. Ah, Une il y a économie oh, il y a une forte route là. passe Ça veut par une dire que main-d'œuvre quelqu'un a forte fait une et seconde assurée. ville. Bah pas forcément, moi par Oui, exemple j'ai fait une route, mais vers une ouais. cité. Yep. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait un autre colon? Un autre colon pour l'envoyer par là, ce serait pas con, mais il va falloir le protéger. Ah bah tiens, on va le protéger avec le char. Je vais mettre plutôt ça. Ça je garde pour le moment. Ok.
Est-ce que j'ai eu mon... Ouais, je l'ai. On va commander. J'ai de mettre petit, là. Mon petit cadeau. Là, ah, c'est pas con de le mettre là-haut. Une ville là-haut, ça pourrait être intéressant. Tu joues avec combien de villes, toi, d'habitude? Pouh, alors là... Ah, ça dépend des parties, ça dépend de ce que je vise comme victoire, c'est un peu variable. Parce que l'avantage avec ce jeu-là, c'est que... Enfin, avec Civilization 6, c'est qu'on peut faire beaucoup plus. Alors, laisse-moi juste finir, hein. Je suis tranquille, hein. T'inquiète pas, prends ton temps. Prends ton temps, ding 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 ding, t'inquiète pas. Je vais faire ça. Je vais me réorienter par là, voilà. Alors c'est énorme, là pour te dire, je suis en train de rechercher un truc qui va me donner les termes, sachant que je n'ai pas encore... Enfin ça me dit, ouais, pour l'optimiser, construisez des remparts antiques, je n'ai pas encore débloqué les remparts antiques. Génial. Ah, 3 cités-états qu'il faudrait que je découvre pour ça. Alors, après, je fais un petit point sur justement les points. Hop. Alors, moi, ça. Je suis à 38. Toi, t'es à 37. Ben voilà, tu l'as rattrapé, ton retard. Oui, t'inquiète. Et on est en plein milieu. Le Congo est en tête avec 48. Derrière, on a un joueur inconnu à 44. Enfin, deux joueurs inconnus à 44. Mais on est en train de se faire laminer un petit peu, Aurélien. Bon, ça veut rien dire pour l'instant, tu me diras, mais... Ça veut rien dire. Il suffit, tu sais, qu'il y en a un qui se soit moins agressé par les barbares et qui a une bonne position de départ. Moi, j'ai absolument besoin... Oh non, putain, il va prendre... Bon, bah, Genève va tomber, je suis dégoûté, j'avais deux émissaires à Genève. Il y en a un qui est parti prendre Genève, oh, c'est pas cool, ça. Ah ouais, je suis un peu dégoûté. Mais c'est pas grave parce que je peux choisir mon gouvernement. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ouais, la République ça. Classique, elle est pas mal quand même. Quoique, non, elles sont toutes bien... Ça, ce un serait petit, pas mal. Un avantage de culture, je le sens, là. T'es à combien en culture, toi? Plus 7. Ouais, je suis à plus 8,6. Mais tu l'as vu dès le départ, donc ça peut prendre un petit peu d'avance là-dessus. Ah merde, t'es sérieux? Donc là, pour te dire, j'avais envoyé un éclaireur sur une péninsule qui allait se soigner. Et le temps qu'il se soigne et qu'il fasse demi-tour, un camp de barbare a spawné. Ah, ben voilà, toi aussi tu t'es chopé un truc avec ton éclaireur alors. Enfin! Ouais, je suis pas sûr qu'il meure, ceci dit. Je vais revenir un peu en arrière là. Trop avancé. Défaite majeure, sérieux? Heureusement, j'ai l'Inde à côté. L'Inde n'est pas trop agressive en début de game. Le campus, il vaut pas le coup. Hein. Plus 1, plus 1, plus 1. Non, il vaut pas le coup. Moi, j'ai mis un campus à un endroit parfait. Peut-être un moulin à eau. Ouais, il faut vraiment que je m'occupe de mon campus. Ouais. Et pour ma deuxième ville, j'ai un autre endroit parfait pour un autre campus. Là, je pense qu'au niveau science, je vais être bon. Honnêtement. Boum. Aquileia. Oh, c'est vrai, j'avais oublié que c'était le pouvoir spécial de Rome. Dès que je pose une ville, ça crée une route avec ma capitale. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça, comme avantage. Et 1, 2, 3. Oh, un beau petit campus là, ça va être cool. Alors, on va commencer par quoi? Un grenier, peut-être, pour la faire. Ah, t'as de l'avance, du coup, sur ta seconde ville. Bah, je pense que j'avais mon colon avant toi, mais le problème c'est que je vais un peu... Enfin, j'ai du terrain difficile sur le chemin en fait. Mon colon, je l'ai acheté moi. Ah, tu l'as acheté, ok. Ouais. Bah, je suis pété dessus moi. Faudrait que j'achète des trucs aussi parce que j'ai un petit peu d'argent de côté. Bon, je vais garder pour acheter des cases, c'est plus avantageux. J'aime bien acheter des cases. Pour te dire, là j'ai acheté plein de trucs et il me reste 274 là. Oh merde, ah bah je vais perdre mon éclaireur. Je pensais pas qu'il perdrait autant, c'est bête. Faut que je me concentre un peu plus à générer un petit peu plus d'or, mais bon, toi t'es une machine à or quoi. La richesse, ce n'est pas avoir... Ouais. Tu peux pas trop lutter contre Rome sur ce point de vue là. Je vais essayer de dominer le niveau technologique majeure, alors. Sérieux? Bon, Rome, qu'est-ce qu'on peut acheter comme. J'ai acheté un frondeur, je pense. Alors. Ah oui, ça je pourrais construire. Hop, ça, je voilà, peux construire là on s'est retranché.
Unité attaquée, ouais, défaite. Oh, Genève, non. Ça, je habitation insuffisante. Aucun intérêt à le faire pour le moment. Ah bah oui. Je vais faire ça. Hop. Et toi, tu vas y aller. Ah oui, j'avais pas vu ça. Ah oui, ok, bon voilà, ça va être tranquille. Bon, du coup, on est comment niveau score maintenant que j'ai posé ma seconde ville? Moi, je suis à 45. Ça m'a pas donné grand chose. Hein. C'est contrairement à Civilization 5, où Civilization 5, quand tu crées une ville, t'étais tranquille. Hein. Hmm. Enfin, ça te donnait un gros 41, boost. 41, moi. Pas du tout. Ok, ça va, je te suis. Ouais, bah, je pense que cette ville-là, elle a dû me donner genre 1 ou 2 points, c'est tout. Ouh, l'américain, il se déprend le niveau science. Hein. Je pense qu'il a une seconde ville ou autre chose. Voilà. Ce qu'il me recommande, bah, ouais, il me recommande ça, hop. Mais honnêtement. Ah bah adieu guerrier. J'aurais bien aimé te sauver, mais là. Ah mon petit frondeur, par contre, ça va être cool. Mais oui, mais non. Défaite. J'ai envie de refaire ça, moi, vu que j'en ai plus. Ensuite, on va faire ça. On va faire ça. Ok. Ah, ça va optimiser. Est-ce voilà. Que je peux... Bon, là, tu vois, je me foutais ta gueule au début avec les barbares. Bah, t'inquiète qu'ils ont décidé de se manger. Ah, m'étonne pas. Ah, ça, c'est bien. J'ai fait une route commerciale avec une cité-état et ça passe juste à côté de ma seconde ville. Donc, ça, ah, c'est pratique. Ouais, ça, c'est pratique. Ça va, je suis plutôt content de la situation de départ, c'est pas exceptionnel ou autre chose, mais ça va, ça me dérange ouais, pas, je me pas sens ouf. Pas désavantagé ou autre chose, quoi. Mm. Ok, ça c'est bon. Oh yes, ça y est, le cavalier est venu se tuer contre mon char. C'est exactement ce que je voulais. Ok, ouais mais ça c'est pas trop ça. Ah, il y a un bonus là. Alors, okay. Le colon. Je vais le faire là parce que j'aurai un bonus plus tard si je mets un port. Ou alors je mets là. Oh, je sais pas moi. Oh, je vais mettre là. Ça va être chaud d'implanter une ville ici quand même, là avec le colon qui va devoir y aller. Le char qui est quasiment mort. Qui est... Le char que j'avais fait quasiment spécifiquement pour l'accompagner et qui est quasiment mort. Super pratique. Génial. Mmh. Allez hop. Là-bas. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ah, mon petit éclaireur. Un nouveau éclaireur. Celui-là, il est pas cassé. moi, j'en ai plus qu'un éclaireur. Mais j'ai perdu... En fait, pour l'instant, j'ai perdu un guerrier et un éclaireur. Ah ouais. Ça fait mal. Ouais. Les deux, en plus, qui étaient niveau 1. Ça, c'est cool. Okay. Ouais, j'arrive. Attends. Je finis quelques trucs, là. Voilà. C'est bon. Oh, je suis dégoûté d'avoir perdu mes deux émissaires à Genève. T'as... Ouais, les deux émissaires de Genève, ça fait mal. Surtout au début, tu les gagnes un par un, très lentement. Ah, c'est déjà passé? Ouh, j'avais pas vu. Alors, place du théâtre, ouais, bof. Bah allez, on va tenter c'est ça, bon. Écoute. Ensuite, qu'est-ce que tu me dis de faire? Aménagement recommandé, grande muraille. Non, on va peut-être éviter de la faire tout de suite, tu vois. On va peut-être attendre un peu que... Voilà, quoi. Bruxelles, ouais, on va mettre Bruxelles. Pour l'instant, ça m'intéresse pas d'être suzerain. Je peux déjà faire la grande muraille, en fait. Ça m'étonne. Bah, pourquoi c'est si étonnant? Moi, je croyais que c'était plus tard que je pourrais l'avoir. Je peux même pas... Est-ce que j'ai déjà la technologie pour faire la muraille? Ah oui, je pense, en fait, ouais. Faudra que je regarde, je sais pas exactement ce qu'elle fait, la grande muraille. Elle empêche les barbares de passer, ou il y a un truc dedans comme ça? Elle te met un bonus défensif de genre 20% dans ton territoire, quelque chose comme ça. Oh. Autour de la case où il y a la grande muraille, quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Et je crois que si t'arrives à entourer toute une partie de ton territoire, ça s'applique à tout le territoire qui est entouré. Wow. C'est peut-être pour ça qu'il y a s'amuser à la faire serpenter alors.
Oui. Putain, je perds tellement de temps avec ce colon, c'est hallucinant. T'as pas fondé ta deuxième ville? Si, si, celle-là, c'est pour la troisième. Ah, c'est pour la troisième, ok. Ah, et j'ai un colon que... qui est arrêté depuis un plomb à un endroit en attendant que le char se soigne. Oh, mais t'es pas sérieux, là? J'ai Amsterdam, avec qui j'ai une route commerciale, chez qui j'ai envoyé des émissaires et tout, qui est en train de se faire attaquer par le... Mais c'est une blague, là. Lol. Oh, bah, hey, plus, j'ai trouvé la mer morte. Je peux faire ça ou je... Ouais, je vais faire ça dans un premier temps. Ah, je peux enfin choisir un gouvernement. Moi. Qu'est-ce que je vais choisir? Eh, attends, choisir un gouvernement là. Alors, ouais, qu'est-ce que tu choisis, Shukur? Moi, j'ai décidé de passer sur la République classique, mais j'étais pas. J'ai vachement hésité. Toi, si tu prends l'autocratie, tu seras cheaté en merveille. Ouais, je sais pas. Ouais, je vais te dire. Bah, ça dépend ce que tu comptes faire. Sinon, si c'est du militaire, c'est clairement l'oligarchie qu'il faut. Je vais prendre ça, je pense. Ouais, moi, je prends quasiment toujours la République classique. Moi. Puis le truc spécial, on va la mettre sur. Hop, on va mettre ça. Et je vais remettre ça parce que je vais en avoir besoin. Excellent. Juste quelques unités qui se déplacent là. Oh. Mais du coup, si je mets la grande muraille, je peux pas faire autre chose à la place. Sur la même case, bah non. Ouais. C'est bien, mais c'est pas bien. Hein. Je sais pas comment expliquer. Je vois ce que tu veux dire. C'est plus genre, je trouve que c'est plus intéressant quand t'as la ville qui commence à avoir une grosse portée et que tu es là en mode ouais, bon, allez. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, tu le fais plus loin que tu pourrais faire tes quartiers et tout. Voilà. Alors. Alors, je peux faire des recherches. Normalement, ça, je peux le faire. Ah, je l'ai. Ah oui, j'ai consommé mon truc. Mince. Peut-être que je devrais rechercher le tir à l'arc, ça pourrait être utile. Bon, c'est pas grave. Hop. Allez, c'est parti mon kiki. Toi, tu pars par là. Toi, là. Non, tu vas pas me faire ça. Tu vas me faire autre chose. Oh, il y a tellement de barbares. Voilà. T'as des barbares, beaucoup, là, d'un coup? Ben, en fait, non, ils sont pas autour de la capitale. Mais moi, je commence à bouger dans des endroits où ils étaient tranquilles pour se développer, quoi. Moi je suis content d'avoir la cité-état parce que je sais au moins que par là il y aura pas de barbares qui viendront, donc je m'en sers ah, un t'es, peu. Ah t'es suzerain toi? Non, de quoi? T'es suzerain de la cité-état? Non non pas encore. Même pas, je génère pas énormément de trucs. Non c'est juste que bah, je vais un peu me construire autour d'elle et oui essayer de devenir suzerain quoi. Je vais mettre tous mes diplomates en elle pour être sûr que je me fasse pas avoir par une autre cité. Ok, on va partir là-dessus, et puis on va faire l'autre truc. Les gens savent de quoi je parle. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, il y a un lac. Non, fais-moi plutôt ça. Hop. Voilà. C'est frustrant de pas pouvoir parler, dire « Hey, regardez ça Regardez ça. Oh, j'ai trouvé de l'uranium. Il va y croire, les gens, je vous jure. Quel bluff. Alors, est-ce que vous pensez que je devrais lancer Manux sur sa ville principale ou sa colonie? Bon, je viens juste de construire une seconde merveille. J'ai un peu du mal à y croire, hein. Mais bon. Les termes, ça vaut pas le coup. Place du théâtre non plus. Que je m'oriente aussi à ce niveau-là. Je pense que je vais me faire un autre char lourd, moi. Quoi qu'il arrive. Et après, je me ferai du tir, enfin des archers. Ah, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui gueulent de la manière dont on joue, mais c'est pas grave. Oui, l'important, ça, c'est de prendre du plaisir. Et je m'amuse actuellement. Donc, c'est important. Ah, une deuxième cité-état. Je vais peut-être te faire revenir un peu, toi. Oui, oui, oui. Peut-être que je devrais me construire des murailles à un moment ou à un autre.
que j'ai toujours. Ouais. J'ai, là, j'ai des barres. En plus, notamment parce que je suis Rome et on sait tous comment Rome a fini par périr. Ouais, surtout que moi, il y a mon armée de tanks qui arrive là. Mais c'est pas. Non, mais t'es pas un barbare, toi, en soi. Quoique. Mais justement, j'ai des barbares partout et il faut que. Ah, l'Inde va forcément faire une ville là, je m'en doute, à 3 km. Bon, peut-être que l'Inde va disparaître, un de ces quatre, je sais pas. C'est vite arrivé un accident. Disparaître comme ça, pouf, oh, ce serait fâcheux. C'est dommage. Mince alors. Je vais faire un frondeur que je vais améliorer, je pense. Ah, ou fuck, j'avais pas vu qu'une de mes unités si qui ça... attendait. Je vais peut-être acheter un autre colon pour le placer là. Ouais, de toute façon. Ah, non, 240 vilain d'or, éclaireur c'est plus cher barbare. Qu'avant, hein. Wesh. Hop. Voilà, très bien. Alors, un petit point sur les points. Un petit point sur les points. Oh, mais c'était pas sérieux, Congo qui annexe Amsterdam, j'en ai marre. Tous les buter, de toute façon. Un petit point sur les i. Bon, je vais reculer mon armée, sinon l'Inde va pas être contente. Enfin, mais attends, je suis avant-dernier là, qu'est-ce qui s'est passé? T'es même nul, toi, c'est ça tout. Y est, t'as fini par passer devant. Mais je t'es pense nul, que c'est c'est la tout, recherche. Je suis désolé, t'es nul. Je pense que c'est la technologie qui fait que j'ai pris beaucoup de retard. Je suis dernier en technologie, non? Ah ouais. Ouais, surtout si je suis dernier. Ah oui. Oh la vache. Ouais, ouais, tu peux encore te rattraper là. C'est pas pas si grave pour le moment. Ah, j'ai pas encore optimisé pour ça. Bon. Je sais pas quoi. Ça c'est pas mal. Toujours dur des fois de choisir. Tu te dis je peux faire ça, mais je peux faire ça aussi. Ah, ça peut être bien aussi. Ok, ça je fais forcément. Ah, j'ai enfin des émissaires. Je vais pouvoir investir un petit peu dans cette petite ville là pour être sûr qu'elle ne m'échappe pas. Et je vais pouvoir tiens, aussi j'ai une faire route, ça. J'ai une route au nord, je pense que le machin a dû m'envoyer une délégation ou quelque chose, c'est intéressant ça. Ok, tu peux rester... Tu peux rester là. Tu génères combien niveau or? Là je suis à 12,5. Oh, je t'ai dépassé. Ouais, ça m'étonne pas, j'ai créé plus d'unités là. Ouais, ça m'étonne pas. Moi aussi, je suis en train de me faire une petite. Ah, voilà, lui il a fondé sa ville, l'Inde, juste à côté de chez moi, évidemment. Après, il l'a fondé à côté de la capitale, ce qui est jamais une bonne idée pour. Enfin, tu te fais écraser par la capitale de l'autre à côté. Et puis, si tu veux attaquer, tu dois attaquer la capitale qui a le bonus de défense le plus haut de tout l'Empire en général. Jamais une bonne idée, je trouve. Ah, une. Stockholm, ok. Oh, Minecraft! What? Bah, y'a Stockholm! Ouais, t'as putain, le mec est pas du tout obsédé! Minecraft, où sont Mojang? Ils sont là? Ils sont là dans cette ferme?